c'est 9944X, c'est ici. Oh, Geneviève, Geneviève, j'ai vu deux autos qui roulaient vite, 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 là. Il y a une auto bleue qui s'en venait d'un côté, et puis une auto jaune qui s'en venait de l'autre côté. Mais là, la lumière est devenue rouge, Geneviève. Et puis l'auto bleue a pas eu le temps d'arrêter, et elle a fait... Mais elle a quand même frappé l'auto jaune. Et là, ça fait une immense grogne, une immense bruit, Geneviève. Puis tout à coup, la rue est devenue remplie de terriens. Ça criait fort, là. Et là, il y a un camion jaune qui est arrivé. Il y a deux terriens qui sont sortis avec un petit lit dans leurs mains. Laissez-nous passer, dégagez, dégagez. Puis les terriens étaient énervés, là, Geneviève. C'est épouvantable, c'est terrible. Pouvez-vous nous laisser passer? Laissez-les passer. Il a brûlé un feu rouge. Geneviève, j'ai vu que tu me dis ce que c'était le... Et puis pourquoi les terriens tenaient un petit lit? Geneviève, pourquoi tu me réponds pas? Parce que je suis occupée, Bibi. Mais t'es pas occupée? Tu fais rien. Je fais pas rien. Oui, tu fais rien. Tu travailles pas. Bibi, je fais de la relaxation. Ça fait partie de mon travail. Hein? Ça peut pas être du travail, ça, la relaxation. Ton travail, c'est faire des dessins. Calme-toi, Bibi. Mais Geneviève, je comprends pas. Tu peux pas travailler la tête en bas. Ça ferait des dessins à l'envers. Je les vois pas, là. Tu me fais une blague? Bibi, veux-tu essayer de te calmer? Tu devrais relaxer un peu. Geneviève, je peux pas. Il se passe des choses trop importantes. Je suis venue sur la terre pour apprendre, moi. Pas pour faire rien. Ça te knock, Bibi. Ça te knock. Bon. T'as réussi à me faire perdre ma concentration, là, Bibi. C'est pas moi, j'ai touché à rien. Ça t'a énervé, hein, l'accident de tantôt? Oui, c'est l'auto bleue qui a pas arrêté à la lumière rouge parce qu'elle allait trop vite. Puis le bruit que t'as entendu, c'est le son que faisait l'ambulance. Ah, ça, c'est le camion? Mm-hmm. Une ambulance? Mm-hmm. Ah, et les petits, le petit lit, là, c'est pour ramasser les blessés? On appelle ça une civière. Et c'est des ambulanciers qui la transportent. Ambulancier? Mm-hmm. Est-ce que c'est un métier, ça? Oui, Bibi, c'est un métier. Oh, mais Geneviève... Quoi? Je me sens pas bien. On dirait que ça tremble de partout dans mon corps. Je suis devenue faible, faible. Il faut que tu essaies de te calmer un peu, Bibi. Vois-tu, ce serait le moment idéal pour apprendre la relaxation. Hmm? Qu'est-ce que t'en penses? Geneviève... Quoi? On dirait que je suis blessée. Viens, mon grand blessé. Viens ici. Je vais t'apprendre à faire rien, comme tu dis. Okay. Et tu vas me détruire. Focusing.
Tu vois, Bibi, déjà la position, la tête en bas, c'est pas évident au début. C'est inconfortable. Mm-hmm. On dirait que le plafond, c'est le plancher. C'est vrai. Puis on dirait que ma tête, elle veut tomber loin, loin, loin. Qu'elle va s'enfoncer dans le plancher. Ben c'est ça, Bibi. Pense, mon corps et ma tête sont lourds, lourds, lourds. Puis ils vont s'enfoncer dans du chaud, dans du doux. Ça me pique dans ma tête, Geneviève. C'est normal, Bibi. C'est parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir la tête en bas. Mais oui, je suis habituée. Dans mon vaisseau, quand mon vaisseau opère une méga rotation gravitationnelle, ça me pique aussi. Ah bon. Bon, Bibi. Quoi? Essaie de penser à rien, là. À rien? Mm-hmm. Du vide? Oui. Vide comme quelque chose qui est vide? Fais le vide complet dans tes pensées. Ah! Comme quand il n'y a rien dedans, là, c'est rien, ça. Là. Dans le vide. Mm-hmm. Bon. Geneviève, est-ce que ça va durer longtemps? Mais non, pas trop. Mais essaie de parler un petit peu moins, Bibi. Ça va t'aider. Ah. Geneviève, est-ce que tu dors? Non, Bibi, je dors pas. Bon. Je dois penser à rien. Ça ressemble à quoi, penser à rien? Ça ressemble à rien, Bibi. Chut! Bon, bon. Chut. Rien. Chut. Ça doit être tout blanc. Ou tout noir. Rien. 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 Je vois rien. C'est bon, Bibi. Continue. Pense à ta respiration. Geneviève? Quoi? Est-ce que c'est normal que je vois des petites étoiles partout? C'est parce que tu respires trop vite. Respire lentement. Ah. M'as-tu parlé, Geneviève? Non, Bibi, je t'ai pas parlé. Ah bon? Parce que j'ai entendu comme une petite voix. Mais je pense que c'était juste dans ma tête. C'est bien, Bibi. C'est parce que tu commences à te détendre. Continue de penser à rien. On dirait que la voix se rapproche. Qu'est-ce qu'elle dit, la voix? Elle dit... Bibi! 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 C'est bien, Bibi. Continue. Continue. Pense à rien. Ça s'en vient. Geneviève. Oui. Je pense que je suis assez relaxée, là. Oh non, Bibi. Maintenant, est-ce que je peux me lever? Continue encore un petit peu. Continue de penser à rien, ça va te faire du bien. Ah, ben, je suis fatiguée de penser à rien. C'est difficile, rien faire. Ben, essaie d'imaginer une couleur. Pense à une couleur, ça va t'aider. Je vois rien. Allez, continue, essaie un petit peu encore. Ouais. Je vois rien, mais je sens quelque chose. C'est vrai? Ouais. Ouais. Je sens un petit vent doux. Très, très gentil. Citron. Ha 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 ha
Je suis très en forme aujourd'hui. Très en forme depuis que je fais rien avec Geneviève. Je suis content que personne ne parle. Il n'y a presque pas de bruit. Bibi! Oh, Bibi. Tu sais pas ce qui m'est arrivé? Quoi? J'avais une réunion avec Monsieur Vite-Vite. Eh bien, pour aller à son bureau, il faut que je prenne l'ascenseur parce que c'est au 10e étage. Ah oui? Alors là, je prends l'ascenseur. Mm-hmm. Je pèse sur le bouton du 10e étage. Mm-hmm. L'ascenseur monte jusqu'au 7e. Jusque-là, tout va bien. Mm-hmm. Mais là, tout à coup, je me retrouve avec les lumières qui s'éteignent. Quoi? L'ascenseur arrête. Il n'y a plus rien, Bibi. Il fait noir. Oh, je ne savais pas quoi faire, Bibi. Je me suis dit, pas de panique, Geneviève. Non. Hey, j'étais assez énervée, Bibi, ça se peut pas. Ah. Qu'est-ce que t'aurais fait à ma place? Moi, bien, je me serais couchée la tête à l'envers et j'aurais relaxé. Oh. Mais c'est ce que j'ai essayé de faire, qu'est-ce que tu penses? Mais j'étais pas capable, j'étais bien trop énervée. Ah oui? Oh. Comme moi quand je suis arrivée de l'accident, là. Ah oui, exactement comme ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Alors là, je me suis dit, bon, attends, il faut que j'attende. Fait que là, j'attendais. Tout à coup, les lumières sont venues. Ah. L'ascenseur a redémarré, ah. Puis je me suis retrouvée au 10e étage. Ah. Juste à temps pour mon rendez-vous. Mais j'étais énervée, là, Bibi. Ça avait pas de bon sens. Je tremblais, là. Et c'est pas mes lents, je tremble encore. Oh. Pauvre Geneviève. T'as eu un choc. Je pense que tu serais mieux de faire rien tout de suite. T'as raison, Bibi. Oui. Je vais essayer. Bon. Je sais pas si je vais être capable, par exemple. Mais oui, écoute bien, là. Bon. Je suis épuisée, Bibi. Ton corps est lourd. T'as pas envie, s'enfonce. Chut. Il s'enfonce dans du doux. Oh. Tu peux relaxer maintenant? Ça s'en vient, Bibi, ça s'en vient. Bon, arrête de parler, Geneviève. Ah, pense oui. à rien. Rien. T'as raison, Bibi, t'as raison. Chut. Geneviève, est-ce que tu dors? Je m'appelle pas Bibi, moi. Je suis capable de me relaxer sans m'endormir. Chut. Fais rien, là. Dis rien. Pense rien. Okay. Relaxe. Citron.